Alors si je vous dis bonjour en Thaï cette semaine, c'est parce que nous allons découvrir ensemble Bangkok, la capitale thaïlandaise, pour ses nouvelles échappées belles. Alors autour de moi, ce sont les Klang, les canaux de Bangkok. On va les découvrir ensemble avant de rejoindre Wazini, ma nouvelle copine de voyage, qui m'a donné rendez-vous devant l'école de son enfance. Les petites Bangkok vont à l'école. Ça se passe toujours comme ça? Tous les jours, à 8h, tu chantes le hymne national. Et après, tu pries. Et voilà. Et tu médites aussi? J'ai vu que tu médites une minute, oui. Ah, dis donc. Et qu'est-ce qui raconte l'hymne national, alors? Pour la nation de Thaïlande, l'harmonie, comment les anciennes ancêtres sont faits pour qu'on puisse rester indépendant. Oui, parce que c'est vrai que c'est une des particularités de la Thaïlande, c'est un pays qui est toujours resté indépendant, qui n'a jamais été colonisé. Voilà. C'est ce qui fait qu'il a son identité, une identité très forte. Et qui s'appelle Thaïlande aujourd'hui. Parce que Thaï, ça veut dire liberté. Toi, t'as grandi ici, t'as vécu à Bangkok? Bah oui, Bangkok, je suis née, j'ai grandi ici. J'étais partie un peu à l'étranger pour faire mes études et... T'es revenue? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là, sur les murs? C'est en fait, c'est les petites paroles de Bouddha, le leçon. Là, par exemple, qui paroles, dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Voilà, voilà une saine parole. Oui, très court, mais voilà. Excusez-moi. Les Thaïlandais saluent justement avec ce geste-là, qui est comme un geste de prière. Ce sont des gens qui sont très polis, très respectueux. Est-ce que c'est parce qu'ils sont bouddhistes? C'est une façon de montrer son respect, sa modestie, et de rester calme, pour rendre hommage aux trois joyaux du Bouddha. Je suis venue ici pour voir le Bouddha couché. Vous voulez bien nous le montrer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ce temple date de quand exactement? Du XVIe siècle. C'est sous le règne de Rama Ier, en 1780, qu'on en a fait un temple. Et combien y a-t-il de représentations de Bouddha dans le temple? Dans tout le temple, il y en a 1248. Eh ben, voilà. Depuis combien de temps êtes-vous moine et pourquoi vous avez décidé de vivre cette vie? Ça fait 23 ans que je suis moine. C'était le souhait de ma famille. Je me suis fait ordonner à l'âge de 13 ans. Et vous sauriez m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette voie, cette vie? La vie monastique nous apporte la sérénité. On n'a pas de soucis dans la vie, on reste solitaire et on se contente de ce qu'on a. Quand on vit dans la société, on a plein de problèmes. On est obligé de se battre. Et il y a trop de souffrance.
ce Bouddha est vraiment magnifique. Je suis impressionnée par ses dimensions. Combien il mesure exactement? Il mesure 46 mètres de long. 46 mètres. Pourquoi il est couché, ce Bouddha? Est-ce qu'il y a une symbolique particulière? Quand il a la main sous la tête, il dort ou est en méditation. Quand il est représenté la main par terre, c'est qu'il a atteint le nirvana et donc il est mort. D'accord. Donc là, tout va bien, il médite. Bouddha médite, là, tout va bien. D'accord. Vous avez l'impression que la jeunesse respecte le bouddhisme et pratique le bouddhisme? Il y a des cours de bouddhisme à l'école. On apprend tous les principes de base, les cinq préceptes du bouddhisme et la reconnaissance envers les parents et les maîtres. Quand on a la pensée juste, on a aussi le parler juste. Tout cela vient du cœur. Je vous souhaite bonne chance et bonne santé de devenir bouddhiste dans votre prochaine vie et de renaître thaïlandaise. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus. En tout cas, merci beaucoup. Au petit matin, les rues de Bangkok sont le théâtre d'un rituel immuable depuis l'avènement du bouddhisme en Thaïlande, au 3e siècle avant Jésus-Christ. On peut ainsi voir des milliers de moines silencieux arpenter les rues pieds nus, ne s'arrêtant que pour recevoir leur nourriture quotidienne, des offrandes offertes par la population. Donner des offrandes, ça me rend heureux. Je fais ce rituel pour obtenir des mérites qui profiteront à ma descendance, à mes ancêtres. Et puis c'est bon pour garder une bonne santé. ...90% de la population thaï pratique le bouddhisme Theravada, ou doctrine des anciens. Une religion où les moines tiennent une place prépondérante. Notamment pour la transmission au peuple de la Thaï Pitaka, la triple corbeille, le nom donné ici à l'enseignement du Bouddha. La plupart des professeurs qui donnent les cours de bouddhisme, ce sont des moines ou des novices. Mais dans certaines écoles publiques où il n'y a pas de religieux, ce sont les laïcs qui peuvent assurer ces cours. Mais ils doivent avoir certaines connaissances dans les domaines religieux et moral. Ils doivent montrer l'exemple aux élèves pour qu'ils se comportent de la même manière. Le pratiquant de la rue aime particulièrement deux aspects de sa religion, les cérémonies et les actes sacrés. Ainsi, cette femme demande aux moines d'intercéder par leurs prières pour conduire l'âme de son défunt mari vers une bonne réincarnation. Les Thaïs prennent souvent le temps dans la journée d'aller prier quelques instants dans l'un des 300 temples de la ville. L'occasion également d'interroger l'oracle pour éclaircir un problème personnel. En Thaïlande comme ailleurs, superstition, magie et religion se mélangent. Ça, il faut doucement bien s'arriver de réussir. Si vous avez des problèmes, ça sera fini au plus tôt. Voilà, dans cette là, c'est très bien. Merci. Les moines tiennent une place importante dans les médias. Le plus connu d'entre eux a même son émission quotidienne sur une chaîne nationale. Né dans une famille très pauvre, devenu moine à 11 ans, il est aujourd'hui l'un des dignitaires religieux les plus influents du pays. Pourtant, il garde la tête froide sur le succès de sa vie de monastique. J'ai déjà reçu beaucoup,
et même plus encore que beaucoup de gens si l'on parle de la vie ordinaire. Mais pour ce qui est de casser la chaîne de la souffrance dont nous parle l'enseignement du Bouddha, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. J'ai entendu parler du nirvana, j'ai lu bien des choses sur le nirvana, mais pour atteindre ce nirvana, le chemin est encore long. Mais c'est ça qui est amusant. Je crois qu'il me faudra encore 10 réincarnations. 10 vies. Il y a 300 000 moines en Thaïlande. Mais chaque été, près de 100 000 jeunes hommes revêtent eux aussi la robe orange pendant 3 mois. Une manière de quitter l'enfance et de remercier les parents pour leur éducation. C'est la maison d'esprit. En Thaïlande, on croit que dans chaque endroit, il y a l'esprit qui est là. Oui. Donc, par respect, on doit construire ce genre de petite maison. Et c'est un esprit qui protège un petit peu voilà, ici tout ça. Le monde, les commerçants de marché? Oui. C'est pour ça que tu as les gens qui donnent à manger. Toi. Ouais. Donc, tout va bien, on est protégé là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle regarde là, la dame? J'achète tous les ingrédients pour faire le pad thaï. Le pad thaï, c'est le plat traditionnel thaï le plus connu. La cuisine thaï, c'est une cuisine qui est très relevée, très épicée. Comme vous pouvez le voir, on utilise beaucoup d'épices et la plus répandue dans notre cuisine est la pâte de curry vert. On en met un peu partout, dans la soupe, dans le riz, avec la viande. Quant au piment, on le dose selon le plat et la région. Ça peut être plus ou moins fort. Tu cuisines, toi? C'est notre génération en Thaïlande, à Bangkok, avec tous les restaurants dans la rue 24 sur 24. Bah non, je ne sais plus. C'est vrai? Madame, c'est un drame. Les jeunes ne cuisinent plus ici. Il faut leur apprendre à cuisiner. Bon, bah, ils nous invitent. Ils nous invitent, ouais. Vous allez voir. On va faire des miracles tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le pad thaï. Cela signifie sauter. 100 g de tamarin, de l'échalote, des crevettes séchées, du radis doux, du tofu jaune. Pour la sauce, du jus de poisson, de la poudre de piment. Vous aimez la cuisine épicée? Non. Excusez-moi. Bon, maintenant c'est à nous. Hein. Ok. Sans y laisser un doigt. Pourquoi les gens aiment autant la cuisine thaï? Sûrement parce que nous combinons 4 ou 5 goûts différents dans un même plat. C'est merveilleux. Aussi, les gens aiment ça. Oui. Chili. Après, vinaigre blanc. Allez hop, on met tout. Allez, vas-y. Quelle est votre cuisine préférée? D'abord la cuisine thaï et ensuite la cuisine française. Ah, c'est bien. Voilà. Ça, ça sent très bon. Bon, alors on goûte. Ok. Hein? Ah, c'est bon, c'est pas mal, hein? On s'en est bien sorti, je trouve. Ouais, on peut être fiers de nous. Pour dénicher tous ces produits alimentaires, en Thaïlande, c'est comme partout en Asie du Sud-Est. C'est au marché que ça se passe.
Dans la région de Bangkok, il en est un probablement unique en son genre, le marché de la gare de Mae Klong. Depuis 20 ans, les marchands y ont installé leur étalage de plus en plus près d'une voie ferrée, jusqu'à s'installer sur celle-ci. Au début, il était plus loin, et peu à peu, les vendeurs se sont rapprochés. Avec la construction d'un nouveau marché, beaucoup de nouveaux commerçants sont arrivés. Et comme ça marche très bien, le commerce près des rails, on est de plus en plus nombreux. Huit fois par jour, un étrange ballet s'y déroule. Au signal, telle la mer Rouge, tous les étalages s'écartent en quelques secondes seulement. Ce marché est surnommé Lampu, littéralement le marché de la fermeture des parapluies. On comprend pourquoi. Direction Damnoen Sadouak. Les guides touristiques affirment que c'est le plus grand marché flottant d'Asie. Il n'en faut pas plus pour que des flots de voyageurs embarquent chaque matin sur une armada de bateaux à la découverte de ce marché uniquement tenu par des femmes. Les hommes font la récolte dans les vergers et puis d'autres sont sur les chantiers de bâtiments. Ce sont donc les femmes qui viennent vendre au marché. C'est le premier marché flottant au monde. Il existe depuis longtemps, depuis 100 ans au moins. Mais il est devenu très touristique il y a seulement 40 ans. Au départ, c'était juste pour échanger les produits entre voisins. Mais comme c'est unique, alors il y a beaucoup de gens qui veulent venir visiter. Damnoen Sadouak est le dernier marché flottant encore existant en Thaïlande et l'une des principales attractions du pays. C'est quoi? C'est sportif? Un petit peu, ouais. Bon, bah, on va voir. C'est une surprise? Surprise. Oula, je crains le pire. Okay. D'accord, ok. Fais un pas et tu frappes. Cette main là et l'autre ici. Allez, encore une fois. Très bien. Ça fait 2 mois, là. 2 mois? Tu viens faire un stage, là, de 2 mois? Tout à fait. Et pourquoi la boxe taille? On développe toutes les qualités physiques. Ouais. Aussi bien la souplesse, la force, l'endurance, la vitesse, ouais, la coordination physique. Enfin, vraiment tout, quoi. Ouais. Et c'est mon dernier jour. Oh! Bah écoute, chapeau, hein, je vois que t'as bien appris, hein. Ah, merci. Beaucoup d'étrangers qui aiment la boxe thaï. Désormais, depuis cette année, beaucoup d'étrangers viennent dans notre école apprendre le Muay Thai. Ça vient d'où? Ça a commencé comment, la boxe thaï? La boxe thaï remonte à l'époque de Sukhothai, il y a 700 ans.
Tous les souverains thaïs apprenaient la boxe thaï. Car à cette époque, il n'y avait pas encore d'armes à feu, seulement des lames et des épées. On utilisait les arts martiaux pour se battre, car les bandes sur la main durcissent le poing comme de la pierre. Ah, là, ils vont faire le waiku. Ensemble, on le fera tout à l'heure. C'est vraiment un sport très, très harmonieux. Hein. Cette position est comme un oiseau. On l'appelle le cygne qui s'envole. On se sent léger comme un cygne. On l'utilise pour être plus rapide. Cette autre position s'appelle la jeune fille qui se maquille. Parce que la boxe thaï n'est pas violente. On utilise des mouvements doux et jolis. Il faut toujours être très élégant, tel un gentleman, en permanence. Ça veut dire que derrière le sport qui peut paraître violent, il y a toute une philosophie de vie. Pour être un boxeur thaï, il faut rester discipliné et être respectueux de son adversaire, même une fois à terre. C'est doux et harmonieux, mais ça montre aussi la force. Il doit y avoir tout cela dans une seule personne. Comment ça se passe dans un stade alors, quand il y a un vrai match, une vraie compétition? C'est quoi l'ambiance? On entend les gens crier. Oh, wow. Voilà, je me traduis, j'ai compris. C'est wow, un match. Okay. Faut absolument qu'on aille à un match. Tu veux pas nous accompagner voir un match de boxe? Ok. Song Hao. Song Hao. Yeah, go. Yeah, go. Song Song. Song Song. Nhập tua. Nhập tua. Song Bơ. Song Bơ. Cọ mua. Cọ mua. Muay Thai. Muay Thai. Ok. Le vieux boxeur n'a rien perdu de son fulgurant coup de coude qui, en 1964, l'avait consacré champion de Thaïlande. Aujourd'hui, il aime se souvenir en promenant son regard sur les photos des champions du passé. Là, c'est Adun Sisothon. C'est grâce à lui que je suis devenu célèbre. Le public criait mon nom. Je l'ai battu. Ce jour-là, il y avait 4 matchs et j'ai gagné. Et depuis ce jour, tout le monde connaît mon nom. Comme les 100 000 boxeurs professionnels de Thaïlande, Pensak vient suivre son entraînement quotidien de Muay Thai dans cette salle traditionnelle de Bangkok. Bon boxeur, sans être un champion, il gagne environ 220 euros à chaque victoire. Mais là n'est pas l'important. Car comme pour tous ses compatriotes, le Muay Thai, c'est plus qu'un sport national, c'est une part de son identité. La boxe thaï, c'est ce que j'ai vu depuis tout petit, en grandissant. Si certains ne s'y intéressent plus, moi j'ai continué à aimer. Je trouve que c'est esthétique, c'est à la fois joli et puissant. J'ai commencé à apprendre, et une fois que j'ai eu le niveau suffisant, j'ai pu combattre sur le ring. On trouve des traces de l'usage de la boxe thaï dès le 15e siècle. C'était alors la technique utilisée par les armées du roi, autrement dit, une technique pour tuer. Aujourd'hui, ce sport considéré comme l'un des plus violents de la planète est très réglementé et permet même à des jeunes filles, comme cette jeune américano-thaï de 17 ans, de s'y essayer. Mes amis sont choqués parce qu'ils s'imaginent que je devrais aller faire du shopping ou des trucs comme ça. Et quand je dis que je pratique la boxe thaï, ils me disent « Quoi? T'es sérieuse ?» C'est vrai, on peut devenir infirme si on prend un mauvais coup. On peut avoir une jambe cassée, la tête déformée, enflée avec le nez cassé. Bien sûr, c'est dangereux. Mais si t'es bon, ça n'arrive pas. Allez, plus fort! Plus fort, allez, vas-y! Quand on n'a pas de force, que l'on ne sait pas se défendre, ça peut être dangereux. Celui qui a déjà un haut niveau, c'est celui qui s'est bien entraîné. Si les deux boxeurs sont bien préparés et sont au même niveau, ce n'est pas dangereux. Mais si l'un est entraîné et pas l'autre, là, ça le devient. Chaque soir, aux quatre coins de la mégalopole, les amateurs de boxe se pressent dans l'un des nombreux stades de la ville. Pensak
Pensak a choisi d'aller au plus connu d'entre eux, Rajadamnoen, le temple où se sont forgées les légendes des plus grands boxeurs. Je rêve de combattre à Rajadamnoen. Tous les boxeurs thaï rêvent de monter un jour sur ce ring. À Rajadamnoen, le spectacle est autant sur le ring que dans les gradins. La foule accompagne chaque coup porté par les combattants, refaisant même parfois le match dans les tribunes. L'inscription stipule qu'il est formellement interdit de parier sur les matchs. Une interdiction bien peu suivie. Dans les vestiaires de l'arène, les gladiateurs préparent leur corps et leur mental pour affronter leur adversaire et le public. En ce moment, les boxeurs sont en train de se faire masser par leur équipe. Non seulement pour détendre les muscles, mais aussi pour perdre un peu de poids. Et c'est le moment où l'entraîneur tente de motiver son boxeur afin qu'il puisse trouver le courage de combattre. L'ambiance est complètement différente hein, quand de on tout est à l'heure. Dans le stade. Hein. Ah oui. Rouge qui va gagner. Hein. Parce que c'est la rose. Je pense que la bleue. Le bleu. Tout le monde rose. Ok. Tu vois, c'est le rouge. Changement d'ambiance, bah, oui, un peu, parce que je vois qu'il y a marqué sur certaines devantures Shanghai. Ouais, pour l'écriture chinoise et tout. Ouais, voilà où on était, où on est à Chinatown. Ah, voilà, le Chinatown de Bangkok. Chinatown de Bangkok. Il y a vraiment des produits très différents par rapport au marché thaï. Ouais. Il y a des choses, même, que... Y a des choses que tu connais, je connais c'est même que pas. Tu connais même pas. Non mais c'est tellement riche. Oui, mais regarde, ça aussi. Ressemble à des concombres de mer. Écoute, ça se mange. Mais je te propose qu'on essaye une autre fois. Oui, moi aussi. Hein. J'ai du mal à reconnaître les Chinois par rapport aux Thaïlandais. Ouais. Ouais, c'est comme moi quand j'étais en France, au tout début, je ne savais pas non plus qui est les Allemands. Non, par rapport aux Français, les Français, les Espagnols. Voilà. Par exemple, moi je suis Thaï, ouais. J'ai la peau mate, ouais. Elle a un peu plus claire. Ouais. Ouais. Les yeux un peu plus. Moi aussi, je ne sais pas. Parmi les immigrés ici en Thaïlande, les Chinois sont les plus nombreux. Ouais. Hein. Après, c'est les Indiens. La cohabitation se passe bien. Bon, on est gentils, les Thaïs, on n'a pas de problème. Ça, avec c'est personne. Vrai. Vous êtes accueillants, les Thaïs, ça, c'est sûr. Ce qu'il faut, hein. Technique d'épilation chinoise. Bon, ça n'a pas l'air d'être douloureux. La dame n'a pas l'air de souffrir. C'est méra. Non, ça fait pas mal. Alors là, on plonge dans le Bangkok.
Bangkok moderne. Oui. Ouais. Après le bateau, ouais. On prend le Skytrain et oui, ça nous facilite la vie quand même. Ça a commencé en 99. Ouais. C'est vraiment à l'image du Bangkok moderne, quoi, parce que c'est vraiment une ville qui a évolué très très vite. J'imagine que les gens qui sont venus ici il y a 20 ans ne doivent pas reconnaître la ville. Et toi, tu es la génération qui a connu ça, quoi, qui a connu le changement. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, ça fait bizarre. Mm-hmm. Quand j'étais petite, il n'y avait rien. Ouais. Et là, le métro, le Skytrain devant ma maison. Et tu vois ça plutôt d'un bon oeil, ouais? Oui, c'est bien. Ça aide aux gens de prendre plutôt le transport public, tout. Ouais. Ouais. C'est mieux. Bangkok ne perd pas son âme alors avec cette modernisation. Ça va encore. Ça va encore. C'est drôle de trouver en plein milieu de la ville moderne encore une divinité. Les gens viennent faire des offrandes. On est dans le quartier des affaires, hein, le quartier des centres commerciaux. Centre-ville moderne. Vraiment centre-ville moderne et on voit tout ça. On voit ça. Tu vois ça? La danse thaïlandaise. C'est les gens qui sont venus et demandaient quelque chose au Dieu. Et une fois qu'il reçoit ce qu'il a demandé, alors il vient ici pour payer aux danseuses à faire ça pour le Dieu. À Bangkok, il y a déjà beaucoup de monde, mais il y a encore beaucoup de monde, je sais pas comment le dire. C'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. Tous les coins de Bangkok, tu trouves des marchés dans la rue comme ça. C'est un groupe de jazz thaï. Il y a du jazz thaï, ça existe? Oui, ça existe. Je suis curieuse de découvrir ça. Farang, les étrangers, la nuit à Bangkok, ça démarre à Khao San Road. Dans les années 70, c'était le refuge des routards fauchés qui trouvaient ici à bon prix de quoi manger, dormir et se divertir. 40 ans plus tard, les sacs à dos sont toujours là. Et Khao San Road n'a pas perdu sa réputation de lieu le plus animé de Bangkok. Même si les animations sont parfois bien peu ragoûtantes. C'est incroyable. Au bout de quelques minutes, c'est incroyable. Mais au début, c'est horrible. C'est un peu bizarre d'avoir tous ces petits poissons qui te mangent les pieds, mais ça va. Oh, s'il vous plaît, sortez-moi de là. La chanson One Night in Bangkok dit qu'une nuit à Bangkok et le monde vous appartient. Ces jumeaux indonésiens en ont fait leur adage. Voilà plusieurs années qu'ils ne vivent ici que la nuit. Et leur itinéraire ce soir démarre au marché de nuit de Ratchada. C'est un marché d'antiquités, de trucs comme ça. C'est ouvert que le samedi soir. Pas de farang au marché de Ratchada. Le vendeur de café assure quand même le spectacle, car Bangkok ne dort jamais et consomme toujours. Vous pouvez vous restaurer à n'importe quelle heure, vous n'êtes jamais affamé à Bangkok. Il y a toujours quelque chose à manger. À 7h, 21h30, on va en général dîner. Et ensuite dans un bar lounge pour se détendre avant d'aller dans un premier club à 11h. Bolide rutilant. Et jolie jeune femme, bienvenue au pays de la jeunesse dorée de Bangkok. C'est un nouveau club qui vient d'ouvrir il y a quelques mois. C'est le plus tendance des clubs, un lieu pour les célébrités thaï. Le concept, c'est supposé être minimaliste et blanc.
Et les lits sont là pour que les gens interagissent entre eux. Le principe, c'est de dîner dans son lit. C'est comme si vous preniez votre petit déjeuner au lit, mais transformé en dîner au lit. Les deux jumeaux indonésiens ont leurs habitudes ici. C'est un peu leur dernière cantine avant d'aller écumer les boîtes de nuit jusqu'au petit matin. Le concept est unique, très sélect. On aime être ici. On y vient 3 ou 4 fois par semaine. Puis peu à peu, le restaurant couché devient un nightclub que plus rien ne distingue alors d'un autre endroit, un samedi soir sur la planète. Il ne faut pas hésiter à prendre le bateau. Ouais. Et puis ce fleuve-là, c'est vraiment l'artère principale de Bangkok. Oui. Hein. Ouais. C'est Chao Phraya. Chao Phraya. Chao Phraya. Ouais. Qui fait de Bangkok une ville d'eau. Ouais. Dans le temps, on a appelé Bangkok la Vénice de l'Est. D'accord. Ouais. Les Thaïlandais sont un peuple d'eau alors. Donc oui, on vit toujours avec. Ça, c'est le lotus. Ah, la fleur de lotus. Et bon, partout, c'est pour offrir aux statues de Bouddha chez toi ou au temple. D'accord. Alors, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il plie les pétales de chaque fleur. Ouais. Comme ça ou comme ça. Il y a différentes couleurs. Ouais. Quel travail. C'est fou de faire ça. On mélange différents types de fleurs. Ouais. C'est très délicat, c'est très fin. Hein. Ouais. C'est comme la nature de Thaïlande. Dans les Thaïs, on est très délicat, tu vois, comme on fait la cuisine. Il ouais. faut que tout soit bien, très bien préparé, bien décoré. Ouais. J'ai jamais vu autant d'orchidées au mètre carré sur un marché. C'est superbe, j'ai envie de toutes les ramener. Ça aussi, c'est pour Bouddha. Les statues de Bouddha. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a une constante ici en Thaïlande. Il y a une quête d'harmonie. Ça vient peut-être de la religion. Oui. On pense toujours aux autres. Oui. Être et positif avec les autres, c'est être positif avec soi-même. Avec, voilà, quoi. C'est ça. Si Bangkok ne dort jamais, en tout cas, elle se lève très tôt. À 5h30 du matin, au parc Lumpini, en plein cœur de Bangkok, tout le monde est déjà très bien réveillé. Baptisé du nom du lieu de naissance du Bouddha, le parc Lumpini, c'est le terrain de sport des pratiquants, toutes disciplines confondues, qui s'y pressent dès les premières lueurs de l'aube, avant l'arrivée des grandes chaleurs. On pratique ici tous les jours. On a tous nos commerces, mais avant d'aller au travail, on se réunit ici. On vient plutôt pour papoter et pour manger. Il y en a certaines qui font leur sport, d'autres qui se contentent de manger. Dans la famille de cette femme, on est professeur de chant depuis plusieurs générations. Et depuis toujours, les cours se déroulent sous les arbres séculaires de Lumpini.
J'étais fonctionnaire à la municipalité de Bangkok dans le domaine musical. À la retraite, je suis venue donner des cours de chant ici. Ça détend. Le chant rend tout le monde heureux. Une très grosse communauté d'origine chinoise s'est installée à Bangkok depuis plusieurs siècles. Une présence qui se ressent particulièrement dans les activités pratiquées, comme par exemple la danse de la sauterelle. Mais à Lumpini, on pratique un sport 100% thaï, le takraw, sorte de football acrobatique effectué avec une petite balle en rotin de 15 cm de diamètre, considéré comme un sport national au même titre que la boxe thaï. Tout le monde peut pratiquer, les petits comme les grands. Il y a plusieurs catégories de takraw. Il y a celui que l'on joue avec un filet, et le takraw qui se joue un peu comme le basket, et une troisième catégorie plutôt artistique. Après les heures chaudes de la journée, le parc s'anime à nouveau au coucher du soleil. Ainsi va la vie au parc Lumpini. Bonjour, vous avez des problèmes de santé? C'est sûrement à cause de votre manière de vous asseoir. Quand j'appuie comme ça, vous allez sentir que vos muscles essayent de s'étirer. Et ensuite, vous vous sentirez mieux. Ça te fait mal? Non, ça va, je sens vraiment qu'il y a des points, tu vois, de pression. Est-ce que ça voudrait dire que notre corps est composé de plein de petits points? Différent? Yes. Oui, c'est comme un filet. Le roi Rama III a dessiné la carte comme un filet sur notre corps. Et si on ne fait pas le bon massage, si on n'appuie pas au bon endroit, ça peut être dangereux? Oui, ça peut être dangereux. Par exemple, si vous avez des problèmes rénaux, alors je ne vous ferai pas de massage. Pareil si vous avez de la fièvre, un os démis, je vous envoie chez le docteur. Qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on papote, on papote. Yeah. Je sens que ça tire un peu dans le dos là. Ouais. Attends. Excusez-moi. Tout va bien. Dès qu'il y a un truc qui craque, je me dis. Not danger. Non, je sais bien, mais ça surprend. Ça fait du bien? Ça fait du bien, oui, bien sûr. Un peu, c'est. Ah! Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans les cours ici. Les gens sont vraiment curieux d'apprendre vraiment cette technique de massage. Les gens viennent ici pour apprendre. Un bon métier, faire de l'argent et bien soigner. C'est difficile de vraiment d'apprendre à masser. Vous avez mis longtemps. Au début, la difficulté, c'est de tout mémoriser. Et après quelques jours, on apprend progressivement. Et pourquoi vous aimez ça alors, les massages? Parfois, des gens viennent me voir. Ils ne peuvent plus marcher. Après une heure de massage des pieds, ils peuvent rentrer chez eux en marchant. C'est ça qui me plaît, soigner les gens. Contrôlez la chute, s'il vous plaît. Ça fait un bien fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, c'est vraiment super agréable. On profite des bienfaits du massage encore quelques instants. On va partir sur la route du blues. Michel Viotte descend de Mississippi pour remonter l'histoire du blues. Tu vas voir, c'est absolument passionnant. Faut pas le rater. Alors, comment il a fait? Dans le dos, ça faisait mal là, dans le dos. Comme ça. Il a plié comme ça. Non, je te le fais pas.
brave and a narrow mind. The world gonna leave you. Nous reprenons la route du sud. À 200 km de Clarksdale, celle-ci rejoint enfin le fleuve. À Vicksburg, autrefois l'un des principaux ports commerciaux pour les bateaux à vapeur circulant entre la Louisiane et le reste du pays. Pour nous, juste le temps d'une pause dans le quartier historique avant de quitter définitivement le delta du Mississippi. Sur les rives du fleuve, la vieille gare est aujourd'hui désaffectée. Lors de la Grande Migration, nombre de Noirs embarquèrent ici pour les villes industrielles du Nord, dans l'espoir d'une vie nouvelle. Parmi eux, en 1936, Willie Dixon, alors jeune boxeur, monte dans le train pour Chicago. Il deviendra là-bas l'un des plus importants compositeurs de l'histoire du blues. La route 61 nous conduit maintenant vers la Louisiane. Destination Baton Rouge, la capitale de l'État, au cœur du pays Cajun. Changement de décor. Alors que les méandres du Mississippi viennent se perdre dans le golfe du Mexique, le bayou est omniprésent. Avec la mangrove qui envahit tout, les poissons-chats et les alligators. Le bassin d'Atchafalaya, que nous décidons de découvrir en bateau, constitue le plus grand marécage d'Amérique du Nord. Une expérience inédite pour Liddell, bien loin ici des faubourgs de Chicago. You are my swamp queen now. And I'm your frogman, baby. I won't be fed no frogs. For these snakes now. They cut down all my trees. My child cannot even breathe. Swamp lady now, won't you please rescue us? Swamp Queen, baby, won't you please come and rescue? Rescue us now. Indiens, Canadiens francophones, Espagnols, Noirs de la Caraïbe. L'histoire mouvementée de la Louisiane a mis en présence des cultures multiples. Dans cette nouvelle étape de notre voyage musical, le blues traditionnel côtoie d'autres formes originales, comme le zydeco, blues rock local, dont l'instrument maître est l'accordéon. Tinana, tinana. I'm too afraid to go.
Le truc ici, c'était la musique cajun, la musique zydeco et aussi la musique country. Le zydeco, en fait, est créole. Par ici, c'est la culture créole. Il y a aussi des créoles en Haïti, tu sais ça. Les Haïtiens sont créoles. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici. Les créoles par ici sont noirs. Les cajuns sont blancs, mais c'est un peu la même culture. Il y avait une séparation, tu sais. Maintenant, tout le monde vit ensemble. Et ça, on le doit aux Zydeco. Le Zydeco a réuni les Blancs et les Noirs, ici, dans le sud de la Louisiane. Nous filmons le concert de Major Andy au Duke Joint de Teddy, à proximité de Baton Rouge. Les Duke Joint jouèrent un rôle essentiel dans le développement du blues. Les établissements des Blancs leur étant fermés, les Noirs trouvaient là leur seul lieu de distraction, à la périphérie des villes ou au croisement des routes de campagne. Ils s'y réunissaient le week-end pour boire un verre, écouter de la musique et danser. Quand tu entres dans ce qu'on appelle un Duke Joint, tu éprouves tout de suite une sensation particulière. Un Duke Joint, en fait, c'est un vieux bâtiment où les gens se retrouvent, exactement comme dans une église. Quelqu'un apporte une guitare, un autre un accordéon, un autre un banjo ou une batterie. Et tous se retrouvent ici. On reconnaît tout de suite un vrai Duke Joint. Il y a plein de vieux trucs. Souvent, les meubles ne sont pas assortis. Les tables sont de tailles différentes, les chaises aussi. Et il y a plein de guirlandes lumineuses. Chez Teddy, plus tard dans la soirée, nous rencontrons également Larry Garner, grand bluesman de Baton Rouge, que Major Andy invite à monter sur scène. Give me some champagne when I get thirsty. Yeah. Give me a little toke of reefer when I wants to get high. Yeah. Yeah. Give me champagne when I get thirsty. Give me a little toke of reefer when I wanna get high. And when I wanna be with my woman,
Teddy bring me a lawn chair and put it by my side. Cause when I get high, I like to rub my head between my baby breasts. Y'all watch out now. Yeah, when I get high, I like to rub my head right between her breasts. She said, Larry, I don't mind you drinking. Je dormais dans une petite maison pas loin d'ici et dans les bois il y avait un juke joint. Il s'appelait Holmes Juke Joint. Je me mettais à la fenêtre pour écouter à travers les arbres les groupes qui jouaient. Et je me disais, un jour, je jouerai là-bas. Ils ne m'auraient pas laissé entrer car j'étais beaucoup trop jeune. Le jour, c'était un magasin et la nuit, c'était un club. Alors la journée, je pouvais sentir les effluves de bière et l'ambiance du blues. En achetant des bonbons et des gâteaux, je pouvais sentir les odeurs de juke joint. Et la nuit, je restais à ma fenêtre pour écouter la musique. En fait, tout ça m'a imprégné. Je pense constamment en termes de musique aujourd'hui. C'est juste en moi. Just might forget your name. Yeah, when I get high, I just might forget where I put my keys and forget your name. You know, I don't think it's nothing wrong with smoking a little reefer. Don't mess with crystal meth and crack cocaine. Là, c'est le marché aux amulettes. Du dualisme, Bouddha, donc, comme tu vois, le mélange de tous les religions. On devrait en trouver qui vont nous porter bonheur. Hein? Avant de quitter Bangkok, il faut que je reparte avec ça. Quand même, ouais. Est-ce que vous en avez un pour les voyageurs? Donc ça, c'est pour les voyageurs. À l'intérieur, il y a un message, écrit par les moines. Bonne de bonne chance. D'accord. C'est bien pour toi, ça. Ça, je pense que c'est ce qu'il me faut. Hein. Bon, bah, c'est ici que mon voyage se termine, Wadini. Je suis triste de partir, tu sais. Pas vrai. Bah oui, tu sais que mon avion est dans quelques heures, donc il faut que j'y aille. Et je crois que si ce voyage a été magique, bah, c'est grâce à toi. J'ai un petit cadeau pour toi parce que je sais que t'es une voyageuse. Ah, bah, c'est bizarre, donc, moi aussi. Toi aussi, t'as le même. Ah, bah viens, on se l'échange alors. Comment on dit au revoir ici? Lacan. Lacan, Lacan. Et est-ce qu'on se salue, comme on se dit bonjour? Lacan. Alors Lacan, et merci pour tout. Hein. Merci à toi, j'ai passé des bons moments aussi. Bah tant mieux, c'était partagé. Moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt et faites de beaux voyages. Lacan.